Bonjour, ici iPod Jaybreak et aujourd'hui je vais vous présenter un Twixedia qui s'appelle iOS 6 Twitter Widget for Notification Center. Alors vous pouvez regarder les screenshots. Comme vous le voyez, c'est comme le titre l'indique, ça vient de l'iOS 6. Donc une nouveauté de l'iOS 6 vient de sortir sur Cydia. Alors elle est gratuite sur la source de Big Boss. Alors une fois que vous l'avez installé une fois que vous l'avez installé, déjà il faut l'installer dans le centre de notification. Donc pour ça on va aller dans les réglages. On va aller dans notification. Une fois dans notification, on va faire modifier en haut. Ou bien vous allez juste prendre Twitter Widget comme ça et l'activer. Donc vous l'activez, il sera dans votre centre de notification. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc on peut voir le petit logo de Twitter, tap to tweet, donc c'est en anglais mais bon, rien de bien grave. Donc déjà, il va falloir configurer votre compte Twitter au préalable. Une fois avoir fait ça, vous avez juste à appuyer, attendre que le pop-up arrive. Donc il arrive, on va écrire test. Une fois que vous avez écrit votre message, vous cliquez sur envoyer en haut. Et on va vérifier si le tweet est bien parti, donc on va aller sur Twitter. On va actualiser la page. Et on peut voir que mon petit message test est arrivé il y a 10 secondes. Donc ça marche bien. On va le supprimer par contre. Hop. Donc on peut voir que ça marche bien. On va réessayer si vous voulez. Hop. On appuie. On écrit test 2. On appuie sur envoyer. Une fois que le pop-up est parti, on peut aller sur Twitter pour vérifier si l'article, si le. Le, s'il a été posté, on peut voir qu'il a bien été posté il y a 7 secondes. Donc voilà, donc ça marche très bien. Comme vous pouvez le remarquer. Alors c'était tout pour les présentations de ce tweak. Alors abonnez-vous à mon compte, à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou bien des problèmes. Et n'oubliez pas de visiter mon site internet itjbreak.com. On va laisser un petit peu charger. Et donc, n'oubliez pas de visiter mon site internet où je poste toutes mes actualités dessus. Hop, voilà. C'était itjbreak. Merci.